Bonjour, aujourd'hui une vidéo en direct sur Facebook depuis ma voiture. Parce qu'en fait, je suis un quart d'heure trop tôt, j'ai un rendez-vous chez un ostéopathe. Et donc, ce que je vais raconter ou ce que je vais expliquer aujourd'hui brièvement, c'est pourquoi et quel intérêt de combiner ton offre, si possible, avec tes produits. Donc, dans mon cas, par exemple, je fais des soins énergétiques et j'ai fait des massages vibratoires avec des smoothies. Et ce sont des anneaux dans lesquels il y a des billes qui, quand tu bouges, créent des vibrations. Et donc, voilà, c'est pas ça que je vais expliquer. Donc, ici, pourquoi j'utilise donc les huiles essentielles. J'utilise les huiles essentielles aussi quand je travaille avec les femmes sur le féminin sacré en ce qui concerne les émotions. Et les huiles essentielles, bah, ça c'est connu chez tout le monde, ça marche vraiment bien. Donc, en ce qui me concerne, les huiles essentielles, je pourrais tout simplement dire, je vais à la pharmacie, je vais au magasin et je m'achète des huiles essentielles de très bonne qualité. Ce n'est pas ça que je fais. J'utilise les huiles essentielles de Young Living, qui est une société américaine ou mondiale, parce que ce qui se passe avec ces huiles, c'est que les gens peuvent, si souvent les gens disent « waouh, ça sent bon, qu'est-ce que c'est ?» Et après, je le recommande aussi, par exemple, si ce sont des huiles qui travaillent sur l'enfant intérieur, sur le lâcher prise, sur le fait de se ancrer, tout un tas de sujets émotionnels, le travail émotionnel peut être fait une fois que la personne me quitte. Et donc, cette société-là, ces huiles peuvent être simplement achetées sur Internet et c'est le marketing de recommandation. C'est-à-dire, moi, chaque fois que je recommande cette huile, je vais avoir un petit pourcentage sur l'achat de cette personne. Donc, quelque part, je suis récompensée. Et quand tu as ton propre business, c'est évidemment intéressant d'avoir d'autres sources de revenus, peut-être, que ta propre activité. Et donc, ça, tu dois regarder. Il y a de ces... et donc, je recommande ces sociétés de marketing de recommandation. Parce que sur chaque produit que ton client va utiliser, tu vas avoir un petit pourcentage. Si ce client aime ce produit à un tel point qu'il va se dire « je le recommande aussi », à ce moment-là, il va aussi avoir un pourcentage et toi, tu vas avoir un pourcentage sur son pourcentage. Voilà. Alors, il y a beaucoup de sociétés qui font ça. Il faut que juste que tu regardes. Peut-être je vais mettre ici j'avais trouvé un site où il donnait tous ses produits et donc à toi de trouver. Les huiles essentielles, évidemment, si tu es dans le domaine de ce qui est yoga, massage, travail sur les émotions, bah, celles que j'utilise, tu peux franchement les utiliser, elles sont excellentes et la philosophie de cette société aussi. Donc en ce qui concerne ces produits, si jamais tu veux faire ça, des conseils que je peux simplement donner, regarde que cette société est solide, qu'elle existe depuis des années et des années. Prends pas une société qui est trop nouvelle. Tu dois avoir un sponsor quelque part, normalement. Et regarde la qualité de ces produits et bien sûr, teste d'abord. Je pense que je ne pourrai jamais rien recommander si je ne suis pas totalement convaincue moi-même et que je ne les ai pas testés. Donc, moi, ce que je fais pour les produits que je recommande, je les teste. Et vraiment pendant quelques mois, je regarde, je lis sur la société, je regarde leur philosophie, je regarde aussi l'ambiance, l'équipe, et je regarde aussi d'où sortent les produits et l'éthique et tout ça. Donc, voilà ce que je te recommande. Cherche dans le, si tu, par exemple, si tu, enfin les huiles essentielles, ça va pour beaucoup de choses. Si tu veux avoir une certaine odeur, une ambiance, hein, tu peux avoir diffuser ces huiles. Et donc ça, c'est assez passe-partout, je pense. Donc ça, si ça t'intéresse, je vais mettre le lien ici au-dessus de la vidéo. Cette société s'appelle Young Living. Et elle est vraiment, vraiment géniale, vraiment géniale en fait. Et donc voilà, là je te recommande ça, je pense que c'est assez facile. Et les clients, ils vont aimer ces odeurs et ça va créer pour toi aussi une ambiance de dès que tu te mets à travailler, bah, certaines odeurs peuvent rafraîchir la pièce si tu veux ou créer une ambiance comme ça. Donc voilà, les produits, ça c'est ma recommandation de pouvoir les utiliser. Autre chose, c'est le marketing d'affiliation. Ça, c'est avec Amazon, par exemple. Si tu recommandes des livres, mais recommande-les avec un lien, ils vont les chercher sur Amazon et tu peux avoir là aussi des petits pourcentages.
Toute source de revenus est bonne. Donc, l'affiliation ou le marketing de recommandation sont ce qui va te rapporter un peu d'argent. Puisque ce n'est pas ton business pour le marketing de recommandation, je pense que là, il faut y mettre de l'énergie si on veut se construire sa petite entreprise avec ça. Par exemple, dans mon cas, c'est pas ça. Je ne vais pas donner toute mon énergie là-dedans. Une petite énergie, oui, parce que ça peut me garantir un deuxième revenu. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais te dire. Si tu as d'autres idées, ben ça me fera très plaisir de les entendre. Qu'est-ce que tu penses de cette idée d'avoir des produits? Et dans ton cas, réfléchis. Quels seraient les produits que tu pourrais recommander ou pas vendre, hein? J'ai oublié de dire ça. Je pense que, oui, alors si tu vends, tu dois avoir un stock, tu dois avoir d'autres autorisations. Donc le fait de recommander des produits qui sont sur Internet, que les gens vont chercher sur Internet, ça c'est topissime. Pas de risque, pas d'investissement au départ, pas de stockage. OK? Donc ça c'est parfait, hein? Voilà. OK, pour aujourd'hui, ça c'est tout. Je te souhaite une très belle journée.